enjeu majeur pour le futur. Avec ses cours d'eau et son littoral, la Gironde possède un patrimoine écologique exceptionnel. Conscient de cette fabuleuse richesse, le conseil départemental de la Gironde intervient depuis de nombreuses années pour préserver cette ressource, garantir la qualité de l'eau ou encore lutter contre les gaspillages. L'eau en Gironde n'est pas un bien impérissable, acquis pour l'éternité. Il nous faut la préserver par une consommation modérée pour ne pas trop solliciter les nappes profondes. La ressource n'est pas inépuisable. Près de 300 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés chaque année dans le milieu naturel. L'Agence de l'eau est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Écologie qui a pour objectif la préservation et la gestion de toutes nos ressources en eau. Et cet objectif, nous sommes heureux de le partager avec le conseil départemental de la Gironde. Le département joue également un rôle éducatif. Dans les collèges, des dispositifs sont mis en place pour réduire la consommation. Exemple au collège Jean Monnet de Saint-Cyr-sur-Gironde. Le collège Jean Monnet est inscrit dans une politique de respect de l'environnement, dans une politique de développement durable de manière extrêmement forte. Le conseil général a en ce sens entamé une politique de respect de l'environnement par le biais pour nous, dans ce collège, de toilettes sèches, donc nous disposons de toilettes sèches, donc sans eau, et par le biais de formations proposées aux agents. Et dans le cadre de ces formations, eh bien, les agents ont appris à économiser l'eau et à utiliser des produits respectueux de l'environnement, et c'est extrêmement important pour nous. Pour une Gironde qui est une Gironde solidaire, il faut faire en sorte que cette eau soit accessible de manière équitable et pour un prix abordable pour l'ensemble des Girondins. Toutes les infos à retrouver sur gironde.fr/eau ou j'économise l'eau.org.